Eh bien, bienvenue en cette fin février à Pont-de-Poite. Il fait un temps splendide et nous allons en profiter pour une nouvelle fois partir sur le lac. Dans cette vidéo, nous réserverons une petite surprise pour une abonnée. Ah, les marmites de Pont-de-Poite, si chères à tous nos jurassiens. Allez, on va partir faire un tour sur nos coins favoris, les marmites de Pont-de-Poite. Allez, belle journée. Il est un peu plus de midi, on en profite, il n'y a personne. Et on part faire un petit tour sur la partie nord du lac. Voilà, allez, la partie favorite du lac, les marmites. Toujours un endroit bien sympathique. C'est beau là, tu vois. Ça, c'est beau. Ouais, tu vois, il n'y en a pas là qui sont. Hein. Tu veux filmer toi si on s'approche là-bas? Vas-y, vas-y. Pas qui rentre là. Là normalement on est bon. Derrière il y en a qui affleurent là, t'as vu? T'appelles, c'est là au milieu qu'on vient quand elles sont. Et tu vas le sortir et puis je vais faire là. Allez, vas-y, puis après on dégage. Allez, on dégage. Ouais. Voilà, c'est bien. On va aux autres de l'autre côté? Ouais. Ouais, tu vois, on voit pas celle qui a fleur ou pas. Non, non, après on va pas là-bas. Non, 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 non. J'espère que tu peux pas te cogner, c'est tout. Il y en a une dessous, tu vois. Non, non. Allez, on y va. Ouais. Il voulait piquer. Tu les vois? Ouais. La batte, jolie. Regardez les bois flottés où ils sont posés. Preuve que le niveau il est. Oh, il est bas. Non, il est pas tellement bas pour la saison, mais il manque 3 mètres quoi. Il n'y a personne. C'est top. Alors aujourd'hui on tenait à faire une petite dédicace à une abonnée. Qui est la plus jeune, je crois, abonnée de la chaîne. Elle s'appelle Eva. Le 25 février, c'était son anniversaire. Elle a 9 ans. Donc avec Valérie, on voulait lui souhaiter à bord du kayak, comme elle adore le canoë. Joyeux anniversaire. Bisous, Eva.
Voilà, et eh ben, tu vois, on a pensé à toi. On tenait à faire cette petite surprise. Et merci pour ton abonnement. Tu es la plus jeune de la chaîne YouTube abonnée. Regardez, ça, c'est nos aliens du lac. Ces racines qui nous regardent passer. Elles sont magnifiques. Ah, on va aller chercher une aigrette. Il y va comme un chat. Alors je crois que c'est la première fois qu'on voit autant de bois flotter au bord du lac. Alors voir un lac comme ça aujourd'hui, on est fin février, on est le 27. Le lac est d'huile, mais quand on dit d'huile, c'est vraiment d'huile. On est encore les seuls sur le lac aujourd'hui. Nos racines. Elle n'a pas dû avoir chaud cette nuit, celle-là. Alors, on dirait qu'au loin, il y a des cormorans. On va essayer d'aller les chercher. Si je les retrouve. Allez, voilà. Évident à aller chercher. Il y en a un, deux, trois, quatre, huit. Il y en a huit. Ouais, j'ai envie de dire cormorans. Et à droite, il me semblait qu'il y avait des aigrettes, non? Oui, t'en as deux rangées. Oui, il y a deux aigrettes qui sont à droite. Encore des cormorans. Il y en a de plus en plus, je trouve. Hein. Elles sont en réunion. Ben, j'en sais rien. Devant, je sais pas ce que c'est. Non, on dirait une pierre. Alors, ils bougent pas. Hein. Ils bougent absolument pas. Et ils sont aux aguets, ils nous ont repérés. Là, ils se posent des questions de savoir s'ils doivent partir ou non. Et chacun est sur son caillou. Hein. Ah, ils vont pas tarder de partir. Il y en a un qui vient de poser sa chien en lit. Ils vont pas tarder de s'envoler. Ça va pas tarder de partir. Ça délaisse ? Ouais. On va passer au milieu. La dernière fois, on était passé vraiment en bas, hein, on les voyait. Ouais. Ah, regarde ça, là, on va passer entre les petits trucs là. Ah, c'est joli. Alors ça, on adore.
Ah, les couleurs de l'eau et du ciel. Ça passe tout juste. Mais ça passe. Mais là, le vent tourne dans tous les sens. Ah, on voit bien dans toutes les petites criques l'empilement de bois. Ouais. Et là, ce poteau électrique. Souvenir du passé et de la vie qu'il y avait avant. Voilà, on vient encore de trouver un ballon qu'on a ramassé. Ça fait le quatrième qu'on trouve. On bouge pas, j'essaie d'approcher. Voilà, on trouve de tout. Allez, on va récupérer une bombe aérosol dans l'eau. C'est quoi comme produit ? Elle est pleine. Tu vois ? Attention. Graisse. C'est pour les bateaux, ça. Graisse. C'est de la graisse de roulement, ça va être pour les moteurs de bateaux, je pense. Graisse adhésive. Tu vois ? Eh ben, c'est très bien. Un cadeau du lac. Elle est pleine. Eh bien, voilà. Notre week-end de 3 jours s'achève. Quoi de mieux pour se réveiller avec cette nature si belle ? Alors, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. On va fêter dignement notre fin de week-end avec une bonne fondue franc-comtoise. Allez, pour finir le week-end de 3 jours jurassiens, on se devait de se faire une petite fondue franc-comtoise au bord d'un lac. Jurassien, avant de prendre la route du retour.